chewing-gum, un certain nombre de protections pour les petites zones tout à fait blanches. Et maintenant, on va pouvoir travailler le fond en flou. Donc, qui dit flou, dit mouiller longtemps le papier, très longtemps, le plus longtemps possible, de façon à ce que l'eau soit à cœur et pas juste en surface. Donc, je prends un spalter, hein, grand moyen, grand geste, grand pinceau, et je couvre bêtement, dans un sens, dans un autre. Et dans ma petite tête, je commence déjà à envisager les choses. Hein, il faut visualiser dans un premier temps vos différents gestes. Profitez-en pendant que vous êtes en train juste de balayer bêtement à l'eau claire. Donc je prends vraiment, vraiment, vraiment du temps. Plus vous allez prendre du temps pour mouiller le papier avec de l'eau claire, et plus vous allez avoir du temps en termes de flou. Hein, c'est-à-dire papier mouillé longtemps et donc un effet flou au niveau de l'aquarelle. Or, nous, tout le fond est flou. Bon, je vais vous épargner. Donc, on commence toujours par les couleurs les plus pures. Donc, nous, les couleurs les plus pures, ben, ça va être ces espèces de orangé, rouge. On a ici ou là. Alors, évidemment, ce n'est pas indispensable d'être sur quelque chose de trop, trop précis. Mais je fais déjà bouger un petit peu ma couleur. De temps en temps, je fais un peu plus jaune. De temps en temps, je fais un peu plus clair. Alors, vous voyez comme ici, on se retrouve avec le masque du drawing gum qui apparaît. Voilà, donc ici ou là, hop, une petite pointe de jaune. Ici, une pointe peut-être du rouge. Voilà. Et puis, je vais commencer. Je rince. Je n'ai pas besoin de rincer en fait, mais bon. Je vais commencer à faire des verts un petit peu plus ternes et clairs. Donc rouge et vert. Je goûte pour voir si c'est bien terne. Tu vois le... Oui. Voilà. Donc c'était un peu trop vert pur. Je remets un petit peu de rouge. Je suis donc avec des complémentaires. Mais ça, ça fait l'objet d'autres vidéos, donc je ne rentre pas dans le détail. Voilà, et je vais poser grosso modo mes ternes qui sont très très clairs. Et donc je m'approche quand même hein, de la zone ici, des zones que j'ai faites en rouge. Je passe bien sûr sur mon drawing gum. Ok? Parce que c'est ce gris là qui va mettre en avant tout à l'heure mon côté blanc. Si j'ai pas le gris à côté, ça sert à rien. Donc là, je rentre dans le détail. Donc je viens avec un plus petit pinceau que j'ai mouillé légèrement. J'ai toujours ma brouée à la main. Et là, je vais revenir peut-être avec des rouges orangés un petit peu plus marqués. Ils vont déborder un petit peu. Voilà. Donc là, le papier commence à sécher doucement. Hein. Donc les choses sont un petit peu plus précises, surtout que je suis sur un truc avec un petit pinceau. Et à chaque fois, j'essaye d'avoir des rouges qui vont être donc plus vivants. Donc plus foncés, plus ternes, plus... Voilà, donc par exemple, je mets une petite pointe
de rouge et de vert. Vous voyez comme le rouge devient plus terne. Et puis je vais remettre des verts un peu plus chantants. Donc mon vert avec peut-être. Là je suis encore dans l'humide. Chic, tout va bien. Parce que j'ai mouillé, blonde. Ça ne m'empêche pas donc de faire des verts extrêmement vivants. Alors extrêmement vivant, ça veut dire quoi? Pour l'instant, c'est un petit peu neutre. Je rince. Je vais mettre du jaune, par exemple. Donc, mon pinceau doit être sec, puisque l'eau est sur place. Je ne reviens pas mouillé sur mouillé, parce que je ne gère plus rien si je fais ça. Voilà, quelques touches plus jaunes. Maintenant, je vais foncer un petit peu, parce que je vois bien qu'il y a, même dans les flous, j'ai quand même des verts un peu ternes. Donc, pas besoin de rincer le pinceau, puisque je veux juste un truc plus foncé et plus terne. Donc, je repigmente mon vert et je le ternis avec sa complémentaire. Un rouge, par exemple, et je goûte un petit peu, là, pour voir si c'est bien un rouge foncé, enfin, un vert foncé, pardon. Foncé et terne. J'essaye de suggérer un petit peu, même si c'est flou, j'essaye de suggérer un peu les épis. Voilà. Je peux finir quand même très foncé. Et vous voyez, je suis toujours dans du flou là. Hein, parce que j'ai bien humidifié ma feuille au départ. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher et on travaillera les choses plus précises du premier plan qu'on a ici, ici ou là. Voilà, on va revenir avec des petites choses un peu plus précises. Voilà. Et donc pour l'instant, moi je trouve que ça va. Ça me convient. Encore revenir toujours plus fort, de plus en plus petit, de plus en plus foncé, de plus en plus terne, mais là je ne serai que dans du flou. Vous voyez, j'ai rincé mon pinceau pour... mais je l'ai mouillé un petit peu quoi, parce qu'il était vraiment très très sec, mais je m'assure avec le Kleenex qu'il soit pas trop trop mouillé non plus. Donc, on pigmente, ça dépend de la qualité de votre boîte, hein. Qualité de vos couleurs. Voilà, j'essaye d'avoir un vert très sombre, mais pas trop pur. Trop clinquant, pas trop flashy. Mais on pourrait finir sur du quasiment noir, là, hein, si j'insistais. Voilà. Ici, je vais... faire un début de petite tige là parce que je sens que ça commence à être sec et je m'appuie évidemment sur mes blancs qui ont été faits au drawing gum et qui apparaîtront bien en tant que blanc tout à l'heure, hein. Pour l'instant on les sent pas très bien puisque c'est le drawing gum qui cache, mais là on commence à être dans du précis. Je recouvre le drawing gum, il n'y a pas de problème, il apparaîtra en blanc quand tout sera terminé. Là, ça correspond à quoi? J'essaye de faire quelque chose qui s'apparente. Vous voyez comme là, les bordures sont précises. Parce que mon papier a eu le temps de sécher. Donc en fait, sur ce travail-là, on peut travailler en cours de séchage. Progressivement, on sait que les choses deviennent plus sèches. Ça fait un effet du coup très très naturel. Du coup, je vais aller voir là-haut, ça a dû sécher.
Donc là, je me fais un petit jus, puisque je suis sur du sec. Je me prépare un jus un peu orangé, pas forcément super pur, hein, j'ai pas besoin de laver. Je glisse sur le papier, voilà. Et puis, je vais me faire mon pétale. Et là, on voit bien à quel point la bordure est sèche, hein, le papier en dessous est sec. Des petites taches, des petites traînées, histoire de. Je nuance un petit peu. Par exemple, je vais mettre un pet de jaune ici ou là. Voilà. Et puis je reviens avec des rouges plus intenses. Là, je suis encore sur quelque chose de très clair. Ma fleur, on voit bien qu'il y a des zones ternes, foncées, voilà. Donc toujours pareil, les deux complémentaires, les deux couleurs opposées. Le vert qui est fait avec du jaune et du bleu. Et le rouge. Donc ça nous fait bien les trois primaires. Et donc ça va bien nous faire une couleur un petit peu terne, un petit peu ombrée. Et là, cette zone, elle est sèche, précise. Mais à l'intérieur, je suis encore humide. Et je reviens un peu plus foncé. Et je reviens avec des découpes un peu plus subtiles sur les extérieurs. Et puis voilà quoi. Allez, on essaye un noir noir. Il n'est pas très pigmenté, hein, ton verre. Hein. C'est laborieux. Bon, je crois que j'y arriverai pas. Je prends ma boîte. Tu prends la mienne là, tu veux la mienne? Non, ça va aller. Voilà. Et donc, ben, on peut continuer comme ça, ici ou là, avec quelques touches bien plus précises. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que je vais dégager, je vais garder du flou. Et en même temps, je vais me faire quelques éclats précis. C'est un peu ce qu'on a ici, hein. Donc, attention, je ne cherche pas à faire exactement la chose, je m'en fous un peu. Je m'imprègne, je m'inspire, hein, de la réalité. Donc, ici, je vois un mélange de flou. Et un mélange de précis. Donc je vais faire ça, je vais faire un peu ce rendu. Je vais m'appuyer sur les futures zones de blanc qui ont été préservées avec le drawing gum. Et simplement, pour que tout passe bien, je couche mon pinceau qui contient de l'eau ici sur la fin. Donc j'ai. Si ça ne marche pas totalement, je recommence. Je sèche la pointe est sèche. Et. Je couche juste, je vais récupérer la couleur et j'écrase tout le reste du pinceau là qui est mouillé. Ça va donc me faire une zone très précise ici, sur le bas, et une zone très floue sur le haut. Voilà. Et donc on peut alterner comme ça des zones précises, des zones floues, comme ici, on a une zone précise et puis l'intérieur est plus flou. On peut revenir ici par exemple aussi, pourquoi pas, avec toujours le même orangé. Donc ici, je vais rattraper une zone en la précisant, puisque mon papier désormais est sec. Et je couche mon pinceau. Voilà. Donc j'ai toute une zone floue ici. Et je vais avoir une zone précise. Sur le bas. Et évidemment, j'essaye de ternir un peu plus avec plus d'orange et un peu de vert, de bleu, ça n'a pas d'importance. Une couleur qui va salir l'orange. Voilà. Et puis, je peux peut-être me faire une petite tige légère, vert jaune.
très transparente et très précise. Oups. On met un peu plus d'eau, ça va aller. Voilà, vous pouvez continuer comme ça sur ce principe en vous remettant des petits jus très transparents et qui vont être assez précis. Puisque le fond du papier est bien sec. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fera à la fin? Eh bien, quand ce sera sec, alors un petit coup de sèche-cheveux peut-être, c'est plus prudent. Alors vous voyez, moi je trouve que c'est souvent très artificiel le drawing gum. Hein. Ça laisse des plaques, vraiment. Hein. Donc même si on l'a passé avec un outil super fin, un bâton, quelque chose, voilà, quand même ça laisse des choses très précises, très artificielles. Donc moi j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux les réhabiller un petit peu quoi, hein, avec un petit coup de jus de temps en temps, une petite chose comme ça, un peu plus marquée, un peu plus les intégrer avec des touches toutes fines, toutes petites, mais qui vont leur donner quand même une apparence un peu plus naturelle, quoi. Et toujours, moi j'ai tendance à revenir, même si je suis sûre du précis. Vous voyez, après, hop, je reviens avec des points plus forts, plus ternes, plus. Voilà, rien ne nous empêche de mettre un petit passage avec de l'eau claire sur les extérieurs. Comme ça fluidifie un peu tout ça. Ou un petit coup de doigt aussi, c'est pas mal.